avec une copine, on s'est sauvés de pension. Et on a été à Saint-Germain en stop. On était à Saint-Germain-en-Laye. Et on a demandé à un type de nous amener en voiture dans un endroit éclairé. Et la première fois que j'étais à Saint-Germain, j'ai mis les pieds à la pergola. J'avais des chaussettes blanches, j'étais une vraie gamine, quoi. Puis on m'a refusé la porte. On m'a interdit de rentrer à Saint-Germain, de rentrer à la pergola. Donc je traînais à Saint-Germain, puis je me suis fait embarquer par les flics. Et puis je suis revenue un an après. Les premiers temps que je suis arrivée à Saint-Germain, je faisais la manche. Je dois avouer la franche vérité, je faisais la manche. J'ai commencé avec une copine, j'avais à peu près 14 ans et demi, quoi. On partait du boulevard Saint-Michel. Et on faisait tout le boulevard Saint-Germain à pied jusqu'à la rue Saint-Benoît, puis on demandait 100 francs à tout le monde. Ça nous faisait de l'argent. Des fois, ça nous faisait même beaucoup d'argent. On pouvait sortir, boire, manger. J'imagine les filles de Saint-Germain-des-Prés il y a 20 ans, un peu dégoûtantes, avec des grands cheveux noirs, des airs un peu comme ça, planeuses, déprimées, un peu dingues.